Des informations indiquent que Porochenko a signé un décret pour nommer son émissaire. Il s'agit de Leonid Kouchma. En ce qui concerne la venue des présidents des républiques autoproclamées par les séparatistes, nos conditions restent les mêmes. C'est-à-dire que les combats doivent d'abord s'arrêter, les bombardements des zones habitées doivent cesser. Bien sûr, la deuxième condition est que le document final doit être signé au niveau des émissaires et paraphé par toutes les parties. Ensuite seulement, nous serons prêts à venir à Minsk.